Ma Mission TV, le miroir du monde. Ok. Alors, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, va prendre place donc pour être vu par toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo ici représentées. Il y a une place bien apprêtée pour lui. Il va donc prendre place, une place bien visible pour tous. Voilà donc, le ministre prend déjà place après la lecture de l'ordonnance le nommant à la tête du ministère de la Défense, sa présentation par le chef d'état-major général des forces armées. Madame la vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants, veuillez vous présenter. La vice-ministre de la Défense nationale va donc rejoindre le ministre à l'estrade installée pour être un peu plus élevée et être vue par toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représentées. Elle va donc rejoindre le ministre de la Défense et ensemble, ils seront présentés par le chef d'état-major général qui a d'ailleurs commencé par appeler un à un, d'abord le ministre qui est en charge de la direction de ce ministère, et puis ensuite la vice-ministre qui est donc en train de s'avancer. Et puis ensuite, l'ordonnance, les nommants sera lue par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va présenter les deux personnalités aux forces armées. Ensuite, il va laisser place au ministre de la Défense nationale qui pourra s'adresser ainsi aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sera une première adresse. Elle sera certainement martiale dans un contexte où une partie de la République démocratique du Congo est en état de siège pour traquer les forces négatives et les neutraliser définitivement. Je crois que c'est dans cette optique que le message du ministre de la Défense sera... Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. À son article 3,
Monsieur Kabanda Rubenga, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. En son article 5, Madame Kilubu Kutuna Serafine, vice-ministre à la Défense nationale et ancien combattant. Général-major, général de brigade, colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, sous-officier de première classe et troisième classe, caporaux, matelots et soldats. Vous le reconnaîtrez respectivement comme ministre et vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous instruiront, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, et cela pour le bien des services ainsi que dans le respect du règlement militaire. Na ordonnance oyo nauti kotanga awa biso ba soldat mampinga ya FRDC kobanda général d'armée tina soldat ya molongo netinga toko tosa bango ndenge batelemi awa na statut ya bango ya ministre na vice-ministre ya défense nationale na ancien combattant ebengani na mibeko ya mboka o mibeko ya likonzi to constitution pe na kati ya ordonnance oyo tata mokonzi asinyaki pe na mibeko oyo etali mampinga ya biso basoda to règlement militaire. Biso basoda tozali encore plus na ndenge ke tosalisa bango makasi po ministre oyo azali liboso na bino azali mutu ya kala azalaki kolata sokoto lokola biso awa abimaki na retraite na grade ya général pe azalaki kosala na corps na biso ya munganga po na santé donc azali mopaya te azali mutu asalaki na biso na yango wana nasengi biso nyonso totia ye maboko makasi po mosala na ye ekende liboso ndenge bauti kosengela ye na omonie na biso protestant. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, votre autorité est priée de vous adresser à vos militaires, à vos ordres. Sont ouverts. Le ministre Monsieur de la Défense nationale va donc. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire général de la police nationale. Mesdames et messieurs les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les sous-officiers,
les radis, soldats et matelots. À l'instant où moi-même et Madame la vice-ministre sommes présentés aux forces armées, permettez-moi d'exprimer un sentiment. C'est d'abord de rendre grâce au Dieu créateur qui a maintenu mon souffle jusqu'au jour où il a plu au commandant suprême de m'élever à cette charge de ministre de la Défense nationale. C'est ensuite de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, ainsi que au Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont décidé respectivement de me proposer et de me nommer à cette haute charge de ministre de la Défense nationale. À un âge qui est le mien, où j'étais tranquillement assis dans ma retraite de 3 ans, ils ont cru que j'avais encore à apporter à l'armée, sans doute en puisant dans mes 50 ans de vie militaire. 50 ans, oui, parce que c'est le 4 juin 1971 que je suis entré au centre d'instruction du camp Tchatchi comme milicien, où après trois mois, j'ai décroché mon brevet et mon grade de sergent. Et je suis resté sergent pendant 2 ans, en tenue de combat, à la faculté de médecine de l'Aubagnum. 2 ans au bout desquels j'ai été nommé officier d'active au grade de capitaine dans les forces armées. Forces armées où je suis resté jusqu'à 2018. Je totalise donc 50 ans de vie militaire, d'active et de retraite. Si la plus haute autorité de l'État m'a nommé à cette charge, c'est sans doute pour que je puisse donner un nouveau souffle à la gouvernance militaire. Et ici, je voudrais vous donner les 4 points essentiels de mon programme d'action.
Le premier point, c'est le renforcement du leadership au sein de la gestion de la défense. Un leader, un chef, comme nous le savons tous, est d'abord une autorité morale, au sens universel du mot. Un leader, c'est la référence de l'amour de ses hommes, de la justice et de l'équité. Un soldat qui sait qu'il est aimé de son chef, ce soldat a un moral de fer. Et il peut vaincre l'ennemi sans armes. Mais lorsque c'est le contraire, ce soldat, même avec la meilleure arme, il ne combat pas. Donc, le renforcement de la moralité dans la gestion de nos forces armées sera un point essentiel majeur de mon programme. Le deuxième point, il est corollaire au premier. C'est la bonne gouvernance de l'armée. La bonne gouvernance dans les ressources humaines. La bonne gouvernance dans les finances. La bonne gouvernance dans la logistique. La bonne gouvernance signifie l'application 100% intégrale des textes de loi, des textes réglementaires en matière de gestion des hommes, des finances et de la logistique. Nous avons une loi portant statut du militaire. Nous avons une loi portant organisation de la défense. Nous avons des textes réglementaires. La bonne gouvernance que je dois renforcer signifie qu'on applique intégralement ces textes. Qu'un officier ne fasse pas, un lieutenant ne fasse pas 10 ans dans le grade de lieutenant, alors que il n'a commis aucune infraction l'empêchant de monter en grade. Le troisième point de mon programme, c'est de faire de notre armée, comme c'est dit dans la Constitution, une armée qui contribue au développement de la République. Mesdames, messieurs les officiers, vous savez qu'à travers le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, les armées possèdent des industries militaires dans beaucoup de domaines. Les armées produisent et nous, qui sommes nantis
de toutes les richesses, matières premières, minérales, végétales, animales. Nous devons mettre notre armée au service de la nation à travers la production. Par exemple, des rations de campagne pour nos militaires. Il est anormal que nos militaires meurent de faim ou qu'on leur envoie des sacs de haricots au front, sacs de haricots qui sont préparés quand ils sont déjà dans le trou de fusilier, alors que nous pouvons leur fournir de la pâte d'arachide, du chikwang et de la viande boucanée, qui sont des aliments hautement nutritifs. Le quatrième point de mon programme, c'est le rôle de l'armée dans la gestion des catastrophes. Vous ne l'ignorez pas qu'à travers le monde, chaque fois qu'il y a catastrophe dans un pays, en Amérique, en Asie, même en Afrique, dans les 24 heures, les premiers services qui sautent sur le lieu de la catastrophe, c'est l'armée. La force aérienne, le service de santé, le service de génie, pour ne parler que de cela. Nous avons aussi cette capacité de sauter sur les lieux des catastrophes de notre pays. Vous savez que notre pays est un pays à catastrophes. Il y en a au moins une majeure chaque mois. Nous devons donc fournir, rendre service à la nation aussi dans ce domaine. Voilà, en quelques mots, ce que j'avais en mon propre nom et au nom de la vice-ministre à la Défense, mon général, à adresser à travers la garnison de Kinshasa à nos forces armées. Je vous remercie. De pouvoir revenir de place. Mais aussi celle qui produit des éléments de très bonne qualité, réputée et connue ainsi à travers le monde. L'armée doit avoir une bonne réputation et que dans
la gestion, la gouvernance doit être améliorée, qu'elle soit en termes de logistique, gestion financière, la gouvernance logistique, la gouvernance, en tout cas, quelle que soit dans l'armée, elle doit être la meilleure possible. C'est aussi ça, le leadership qui doit être renforcé au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre a révélé qu'un soldat qui se sait aimé peut bien gagner une guerre sans armes. C'est aussi possible avec une des armes. Fermez-le-moi. À la disposition du commandant de troupe pour le défilé. À vos ordres. Alors, le défilé va donc devoir commencer. Je vous ai en quelques lignes rappelé ce que le ministre de la Défense a dit en somme aux hommes des troupes. Il faut renforcer le leadership au sein de l'armée, renforcer la gouvernance, la moralité avec, mais aussi il faudrait que l'armée va de soi. Le ministre l'a dit que c'est parmi les points sur lesquels il va devoir travailler. Ça fait partie de son plan d'action. En Lingala, avant que le défilé ne commence, en quelques lignes, qu'est-ce que vous avez retenu de l'adresse du ministre aux hommes des troupes? Comment la ministre m'a autant abordonnant sur la nomination naïe, ma vice naïe. Major général des forces armées de la République démocratique qui a Congo, au Taïkoloba, au Liboso, à Bafouta, au garnison à Kinshasa, à Talisaki, Bapon, et bien nous, on a programme et à gouvernance naïe, il y a un programme pour le Congo. Alors, qui m'a maintenant renforcement actif et à forces armées. Il faut contribuer
gouvernement Mboka. Et puis, à l'obitenda, nous dit rôle ya Baïmantinga, ma écolo, na gestion ya ba catastrophe, boibi, ba catastrophe, zalakamien, mingi penza naturel, tandis catastrophe, tiko salama, na engomba goma. Donc, on a un pinga, ma écolo, bazali penza, na contribution mingi, ya kotia, na ba catastrophe naturelle, nango, wanande, zali na mokuse. Il y a le ministre de la Défense nationale, père d'anciens combattants, Aouti, Kota, Lissauta, Tokota, Namilulu, il y a défilé. Nous allons au Banda ou à Kalamingité, nous allons au Koba, Kaka, Namilulu, Abissoni, vous voyez, nous allons à la grande parade, il y a quand le lieutenant-colonel Kokolo, et puis nous allons à Namilulu, il y a prise d'armes, il y a. La défense, il y a Bismaye, et puis nous avons tout à Séraphine. Vous venez de suivre comme Sikolo, la présentation officielle de deux grandes personnalités à qui est confiée la direction. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, l'heure est venue pour ce grand défilé, ce grand défilé qui va sans doute démontrer encore une fois de plus la discipline et la bravoure de nos vaillants militaires. Et c'est sous la direction du chef d'état-major, le général Célestin Mbala Moussensé. J'espère que vous êtes en train de suivre en direct ce défilé des unités de militaires de la ville-province Kinshasa. Voilà. C'est un grand défilé. Et je pense que vous avez suivi attentivement la cérémonie de cette présentation. Et vous avez suivi également l'adresse du ministre national de la Défense et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kourenga, qui était accompagné de la vice-ministre Madame Séraphine Kiboubo Koutouna. Et le ministre a donné justement sa vision par rapport à son plan d'action, sa politique, par rapport au mandat qui lui a été confié par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui il a nommé à la tête de ce ministère, monsieur le ministre de la Défense nationale, qui a résumé son plan d'action en quatre points. Il a parlé premièrement du renforcement du leadership. Là, il a dit qu'il doit renforcer les commandements au sein des forces armées de la République du Congo. Il va se baser sur la bonne gouvernance dans l'armée. La bonne gouvernance dans les ressources humaines, la bonne gouvernance dans la logistique et la bonne gouvernance dans les finances. Il a lui-même défini la bonne gouvernance comme étant l'application intégrale des textes en matière de gestion de l'homme, des finances et de la logistique. Au troisième point, son Excellence, Monsieur le Ministre, a dit qu'il fera de l'armée une armée qui contribue au développement du pays. Vous savez que cela fait partie des attributions de l'armée, à part la sécurisation du territoire national dans ses frontières, la sécurisation des personnes et de leurs biens, l'intégralité du territoire. L'armée a une autre mission en temps de paix, de contribuer au développement du pays. Voilà qui constitue un point parmi tant d'autres du plan d'action de son Excellence Gilbert Kabanda. Enfin, il a dit qu'il fera de l'armée une armée qui intervient rapidement lors de gestion dans la gestion des catastrophes naturelles. Alors ici, tour à tour, vous suivrez les commentaires du capitaine Paluku pour le Swahili, capitaine Mwanzamu Kanza Jean-Pierre pour le Kikongo, Madame Achille Chipamba pour le français et lieutenant Pascal Moulumba pour le Chiluba. Alors sans plus tarder, nous passons.
le micro au capitaine Manza pour nous faire les résumés des activités de cette journée. Merci, confrère Moulouma Pascal, pour la parole accordée. Enfin, il y a le jeune, voilà, il y a ici à Congo démocratique. Nous avons eu le lendemain, nous avons eu le temps de faire le lieutenant colonel Kokolo. Qui est ici, quand on peut, pas mais quand on communique avec le ministère de la Défense nationale, nous avons eu le maire Kabandati qui l'a dit. Nous avons eu le coup de la voilà. Nous avons eu l'armée de la Défense nationale. État-major y a défilé à Wina. La Nima Lagao, campagne de Betia, bataillon Pelme, bataillon prévoté militaire. Pour la première fois, ça va être un chobol au Salemaka, Maoba Kaka, lieutenant colonel Amouli, Yanil Koukoumaka, commandant à bataillon Pelme. Kassina Toala, major Koumika Kouangou Flori, Yanil Almena, ta campagne à Pelme. Belle Diaka, major Malosi. Ya kutambulisha rasmi waziri wa ulinzi na wapiganaji wa zamani. Sasa tunaanza gwaridi ya kwetu. Na hapo ndio tunaona kikosi ambacho kinakuwa jama kama makuu ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kinapita. Ndio hapo ni sehemu maalum na nyinyi wote mnajiona nyinyi wenyewe, hakuna mtu wa kuwaelezea. Ni hapo kwenye chukwa ya heshima ya kambi Luteni Kanali Kokolo ambako sherehe hizo zinaendelea, na ni hapo unaangalia maonesho ya kwata ambayo yanafanyika hapo, na nyuma tunaona vile vile vikosi vinapatana vizuri. Ni kwa ajili ya hizo sherehe kabisa. Shukrani kwenu nyinyi wote ambao mnaendelea kutufuata hapo kwenye gwaride ya Luteni Kanali Kokolo kwenye chukwa ya heshima. Ndio sauti ni kwako vile vile Luteni Muluma. Asante sana capitaine Paluku. Nous passons la parole au capitaine Safari pour le Tinouba. Je suis un peu plus de temps.
Merci, capitaine Safari. Mesdames et messieurs, là devant la tribune, c'est l'unité ou la représentation du service de communication et d'information de forces armées qui passe devant la tribune ou devant son excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale. La troupe de SIFA est représentée par le major Inundu, suivi du major Massoudi, ainsi que le gros. Il y a aussi le major Kapalata, ce sont eux qui passent devant la tribune. Ils sont secondés par une autre unité. Là, je vois, c'est l'unité du commandement général des écoles. Le commandement général des écoles militaires, vous savez, il a été institué dans la loi sur la réforme des forces armées. Là, nous vous rappelons qu'il y a eu la rouverture de plusieurs écoles de forces armées. Il y a l'école de santé, il y a l'école logistique, il y a l'école de prévôté militaire, il y a les différentes écoles d'application et l'Académie militaire de Canada aussi. Il y a le collège des hautes études de stratégie et de défense. Il y a l'école supérieure de l'administration militaire, ainsi que les AM. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait vous dire sur le commandement général des écoles. Alors nous passons la parole au capitaine Siala Matia pour le soir. Kikosi cha shule kuu ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nyuma yake tunaona kikosi cha idara ambayo mnaita nani jeni militaire, ambayo inahusika na ukarabati kujenga manyumba. Ni hicho kikosi cha idara ya ukarabati wa manyumba ya kijeshi. Ndio wakati kunapofika janga fulani, lazima rais wa jamhuri anakamata hatua ya kusaini maamuzi ya kupeleka kikosi cha jeni militaire kwa kuendelesha kazi ya majengo. Hapa tunakuwa na Meja Landu Kivela David, Kapteni Sapit Ramazani, Kapteni Molete Yai, Kapteni Muteba Ilunga na Kapteni Paluku Kakusa. Nani hiki kikosi cha idara ambao mnaita jeni kwa kimombo. Asante sana. Vile vile kinafuata na kikosi cha idara ya vifaa. Idara ya vifaa ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni idara ambayo inahusika kwa kutupatia SAR, ile ambayo mnaita teni militaire, magari, iwe petrol ya kutia ndani ya gari zetu. Ni hiyo idara ya vifaa. Ndio Jetla Mulumba, unaweza kuendelea na kikosi ambacho kinabaki nyuma yetu. Merci beaucoup, capitaine Paloukou. Là devant la tribune, c'est le corps logistique qui est en train de défiler. La logistique est très importante au sein des forces armées. Comme on a toujours dit qu'il n'y a pas sans logistique, pas de mission accomplie. La logistique appuie les forces armées, la logistique soutient les forces armées en dotation de l'équipement, vivres et tout ce qu'il y a. Et là, le corps de santé, la parole à vous, madame Ashley Diba. Merci beaucoup, lieutenant Mouloumba. Ici, nous sommes en train de voir nos amis du corps de santé militaire en train de défiler. Il est chapeauté par le général-major Boni Bruno Eneta, suivi de ses deux adjoints, le général de brigade Capet Aloumé Jean-Jacques. Il est commandant adjoint du corps de santé militaire, de la planification et d'études techniques. Nos amis de santé sont là en train de défiler. Comme vous entendez leur nom, les amis,
Comme nous venons l'indique, c'est une unité des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'occupe de la santé et du bien-être, et non seulement des militaires, mais aussi de leur famille. Alors, nous avons aussi nos amis de l'État qui sont là en train de défiler aussi. C'est pourquoi nous allons voir toute personne qui est là. Ils sont debout en train de voir comment est-ce que nos amis sont là en train de défiler devant le ministre qui est là. Alors, je passe la parole à notre ami de Chilouba. Merci, capitaine Safari. Là, devant la tribune, c'est le groupe des personnels militaires féminins. Ce sont les dames militaires qui sont en train de très bien balancer les jambes, en train de très bien les souhaiter.
commandée par le capitaine personnel militaire féminin Kangaoui. Là, c'est un bloc. Mesdames, elles font la fierté des femmes au sein des forces armées. Derrière les dames, vous voyez l'unité commando de la 11e brigade des réactions rapides, commandée par le général de brigade Sazé. Là, nous voyons la présence du lieutenant. L'unité commando, c'est une unité qui a pour mission de réagir rapidement et laisser la place à la défense principale. Derrière cette unité commando, s'est alignée l'unité de la garde républicaine. Elle a pour mission la sécurité du chef de l'État ainsi que de certaines personnalités. La garde républicaine commandée par le général Christian Tshiwewe. Ils sont très bien habillés, bien coiffés. Ils ont répondu présent à l'appel du chef d'état-major général. Ils sont en train de crier au service de la patrie. Et voilà, quelle cadence devant cette tribune. Et derrière l'unité de la garde républicaine, il y a l'orchestre des FARDC, FARDC Musique. Ils sont là pour nous régaler au moment des festivités. Au sein des forces armées, il y a tout, mesdames et messieurs. Madame Ashley, vous avez la parole. Voilà, nous sommes en train de voir comment est-ce que nos amis scouts sont en train de défiler. Bravo à tous mes amis qui êtes là devant la tribune en train de défiler devant le ministre de l'Intérieur, le docteur Gilbert Tabana. Voilà, nous sommes en train de voir comment est-ce que nos enfants sont là en train de défiler. C'est écrit EMFD. Nos amis sont là en train de défiler parce qu'ils voulaient aussi assister ensemble avec nous pendant cette grande cérémonie, chers téléspectateurs ou encore auditeurs ou encore vous qui êtes là en train de nous suivre ou encore en train de nous écouter. Nos amis sont là, nos petits en train de défiler, ils voulaient nous assister. Voilà, il y a encore le petit qui sont là derrière, le petit, toujours là, sous forme de militaire en train de défiler. Ils sont là, ils veulent nous faire plaisir. Et à travers le petit danse que nous voyons, qu'ils sont en train de faire. Voilà, le rôle de la musique surtout aussi, ça donne l'envie aux enfants de défiler, de danser encore devant tous ces peuples, tous ces gens qui sont là, en train de la suivre. Tout le bravo pour vous, le petit, bravo, bravo. Nous savons qu'un jour, vous devriez, vous allez aussi devenir des militaires. Bravo à vous. Alors, je passe la parole à notre frère de Chilou. Merci, capitaine Safari. Nous allons faire le résumé de cette journée en ce terme. D'abord, c'était la présentation officielle du ministre, de madame le vice-ministre par le chef d'état-major général des forces armées, troupes de la garnison de Kinshasa. Après cette présentation, il s'en est suivi l'adresse de son excellence. Donc, terminé, vous avez vu passer devant vos petits écrans plusieurs unités de forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est un échantillon de ce que compte
les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est plusieurs spécificités. Lieutenant Kamba, plusieurs unités sont passées ici devant nous. Est-ce que, en quelques lignes, vous pouvez nous dire quelles ont été ces unités? En fait, ce sont la plupart des unités qui sont regroupées au sein de la ville-province de Kinshasa. Nous avons vu la police militaire, nous avons vu aussi la justice militaire, les services d'éducation civique et d'action sociale, CECAS en sigle. Également, nous avons vu les services de communication et de formation des forces armées, CIFA, qui est chapeauté par le général-major Kasongo Tshibangu Léon Richard. Et également, il y avait les corps de génie militaire. Nous avons aussi les corps de santé militaire qui a défilé. Il y avait aussi l'école de la musique. Il y avait aussi la force terrestre, la force navale et la force aérienne, puisque nous en avons trois. Et il y avait également la 11e brigade de réaction rapide. Ce sont des commandos. Et enfin, nous avons vu aussi la garde républicaine, qui n'est rien d'autre qu'une unité et FARDC affectée à la présidence de la République pour la sécurisation du chef de l'État, de ses biens ainsi que de sa famille. Voilà en substance toutes ces unités qui ont défilé devant les nouveaux ministres de la Défense nationale et des anciens combattants. Merci. Merci. On dirait qu'il y a encore une unité qui n'avait pas fini, c'est la fanfare. Oui, ça c'est la musique pour boucler la boucle. Ils ont joué pour tout le monde, maintenant c'est la fin même. Ils vont aussi défiler devant les nouveaux ministres. Il a dit que notre armée doit toujours être présente sous notre capacité naturelle. Par exemple, depuis le cas récent, avec l'éruption du Niragongo, dans certains pays, normalement, c'est l'armée qui devait être soulevée en premier lieu. C'est ce qui compte bien de notre armée, petit à petit, avec ses efforts, avec la volonté de nous allons y parvenir. Et là, devant la tribune, vous voyez le défilé, le pas exhibé par la clique musicale qui vient de l'école de musique des forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC ont une diversité dans les spécialités. Nous avons des musiciens compétents, qualifiés. Ils sont là à chaque fois qu'il y a cette année, à chaque fois qu'il y a une manifestation, ils sont deux qui gagnent. Ils sont deux qui gagnent. Ils sont deux qui gagnent. Les deux grandes personnalités qui nous ont été présentées en ce jour et de surtout apporter leur aide pour que notre armée ainsi que notre pays puisse se développer et aller de l'avant. La parole à vous, Mpengilabe Tomwanza, Samuna Kikongo. Merci, confrère lieutenant Mulumba Pascal. Mpengilabe Solo, Mfoum Belwe Langa, ministre de la Défense nationale, Yannime Tubila, Yannime Zavisa Nabamakessa. Des industries où nous avons des élevages, nous avons des lopins de terre où les militaires doivent produire en temps de paix. Et le quatrième point, c'est le rôle de l'armée dans la gestion des catastrophes. Comme nous le savons tous, Goma vient d'être touchée par un volcan. Normalement, c'est l'armée ou les forces armées de la République démocratique du Congo qui doivent ou qui devaient en premier lieu, en premier plan, faire le sursaut pour gérer justement cette catastrophe naturelle. Raison pour laquelle le ministre a parlé de ce rôle au sein de l'armée. Nous pensons qu'avec cette vision de choses, les choses pourront marcher au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et Bichala. Merci. Au Congo, le défilé est en train de toucher à sa fin. Les militaires prennent leur position. Je crois que dans quelques instants, la cérémonie, en tout cas pour ce qui a été prévu sur ces lieux, va se clôturer.
kweli sherehe inaweza kumalizika nafasi hii, lakini wataweza kwenda kuendelea huko upande wa mashule ya kijeshi. Wakona kwamba defile iliweza kupita, sehemu yote ya majeshi waliweza kupita kwa kuweza kuonesha ya kwamba kweli Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina nguvu ya kutosha ya jeshi ya Kongo. Kongo ina jeshi ya nguvu. Ndiye waliweza kuonesha, wote waliweza kujionesha mbele ya waziri ausikae na mambo ya ukingo, pia naibu wake mwenye waliweza kumuonesha leo mbele ya majeshi yote ya Jamhuri Kidemokrasia ya Kongo, waziri Kabanda Kurenga Julbert pamoja na naibu wake Bibi Kulumbu Kutu na Serafine waliweza kuoneshwa. Basi sherehe kubwa iliweza kuendeshwa nafasi hii upande wa kambi Kokolo, kwenye defile ya majeshi iliweza kupita kabisa, na waliweza kuonesha hali ya nguvu ya jeshi ya Kongo. Basi kutokana na hayo yote yenye natoka mkupitikana hapa, mtajua kwamba waziri aliweza kabisa kutosheka sababu kuona jinsi majeshi waliweza kupita. Katika masemi yake aliweza kusemea kuhusu mpango wake wa kazi yenye kuwa na nukta ine kwa kuweza kuangalia namna gani kutengeneza jeshi ya Kongo, kuweza kuwatia katika hali bora yenye kustahili. Jeshi ya Kongo wanapashwa kuwa na vifaa vyote vya kazi, kwa kuona kwamba ni jeshi yenye inapashwa kutumika kazi yake kama inavyostahili, sababu katika jeshi wana vipindi vyote mbalimbali ya sawa vile raia ya wanatumika kazi mbali. Tuna wajeni militaire wale wenye kutengeneza kuwa na kazi ya kutengeneza hata manjia, kujenga manyumba. Tuna majeshi wenye kuwa kuhusika na mambo ya maji, tuna majeshi wenye kuhusika na njia ya anga, tuna majeshi wenye kuhusika na hali ya udongo upande wa vita. Tuna hali yote ya majeshi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kisi mliweza kuwaona waliweza kupita katika defile. Basi ndiye kutokana na masemi ya waziri, waziri anaweza kuahidia ya kwamba ataweza kutumika kwa kuweza kutengeneza kabisa hali ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mpango wake wa kazi yenye aliweza kusema juu ya uongozi bora ya mambo ya pesa, mambo ya vifaa vya jeshi yote kabisa aliweza kuyasemea, kutokana na kisi anaona majeshi yote wanaweza kupita. Kweli katika jeshi kuna vile vile kazi ya afya, kuna waganga, kuna mainfirmier katika jeshi, wote waliweza kupita na waliweza kuonekana katika defile. Kweli sherehe ya siku ya leo hapa kukampi Kokolo inamalizika na defile, lakini sherehe ya siku ya leo itaweza kuendelea tena kwa kuona kwamba kisha defile wataweza kutoa heshima kujielekeza upande wa college ya kijeshi. Président Amen. Arme! Oh!
national. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Merci. Merci pour la belle cérémonie. Je vous prie de transmettre mes remerciements à toute la troupe. Chilumbu chenda cha kumpala chili chilumbu chase bilibi kengela kumanya meyi ni mikandu mudibi kengejibwa mushindu jukengela wa basalai kwenze mijimu ni mushindu jukengela wase basalai badima kujishiditunga mumijimu mishile shilangani jikengela wase bayenza bajima majimi bapatula losa bapatula nkunda bapatula matala bapatula tumbela bakudishi ni wafu ishika bilibu wase yeye mujimu jukengejibwa uji wase enza musu mkengela wa kwenza anubu wase masolai amuno mujimu wa uye kumpala musalai kene mwakukala mwe manapampeta yivjina yi kwa hizi bijimu bito kujikumi kaba yibamu shintu lampeta mikuwa buto abi kabi ya nebiyaka na nashi uufu ishika biri wase nilibike yene musalai kala biyaka na musalai kala weza mujimu mjimu kenge jibu uufu ishini jibu liku ikala kwa hizika miyanda mine na anjimu mjimu katastrofi natirel nilibike yene wase musalai kumuntu wa kumpala wakufika mwabawu ni manga alo ndaku ni bitu bishi nishilangala kumpala kwa baku wabuku fika mwufu shibwase kumujimu mune na uikala inao wakwenza bwase majinda ditu nga Kongo Demokratik amuna mshindu wakwenza mujimu waditu nga dimuna mshindu wakuya kumpala kwa wapoku wa mujimi kwa shalaku wa mujimi na njimpi nga chikolo kudu wetu edi chala amuna mwakushikishi D'extérieur, comme souci, la cérémonie se termine en quelques lignes. Qu'est-ce qu'on retient avant d'aller au Collège des hautes études stratégiques et de défense? Matondomingi et Tchala, Ndenge Tourbagina et Bandeli, Zaki Bongo, mais Loulou, il y a prise d'armes, il y a présentation, il y a ministre, il y a défense nationale, il y a ancien combattant, et Longo, na vice naye, Zali Bongo, Kweba, Gilbert Kabanda, Kourenga, et Madame Kiloubou, Koutouna, Séraphine, Loulou Ango, et Salama Kiawa, na grande parade, il y a quand le lieutenant-colonel Kokolo, Mokolo Yalelo, et Zalaki Naba, temps fort, Topé Bangonga, Misato, Iboso, Zalaki lecture et ordonnance, Zalaki est pourtant nomination, et va présenter qui, ministre Yasika, ministre Yasika, ma chef d'état-major général, il y a forces armées, Naba Soda, il y a garnison, il y a ville, province, il y a Kinshasa, Nassima, ministre Asoula, qui n'a pas Soda, il y a Atalisaki Penza, Makamo Misato, Maïmatali, renforcement, il y a Vaimampinga, Maïkolo, Alobela Ipemi, Mingi, Bon.
et gouvernance, il y a Mampinga, surtout na ma matali ressources humaines, finances, pe a peta ki penza, c'était na ma matali logistique, kasia, le peta ki pe, ma matali contribution, ba Mampinga, pour la production, na katia mboka boebi, na tango ya kimia, pour na tango ya pe, ba Mampinga, ya ekolo, ba sa la contribution, na mboka pe na souka, pour na aussi sa lumbanga, le peta ki mambouya, gestion catastrophique, boebi, tozali na mongao, yo, ba catastrophe naturelle, et tomboki na engumba goma, yango, ba Mampinga, ba zali pe, na moussala makasi, ya kosala, makati, ya mboka, et dijala. Amis téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, pour la partie de la cérémonie prévue au Camp Kokolo à cette tribune, elle est donc terminée. Le ministre de la Défense est donc reparti avec son vice-ministre pour le collège de hautes études stratégiques et de développement Thiès, où là, il va s'entretenir avec le haut commandement militaire. Il est prévu là-bas l'adresse ou l'exposé des forces armées de la République démocratique du Congo, un échange et puis une photo, un souvenir. Et là, vous allez retrouver Oscar Mbalkaïj qui s'apprête, dès lors que l'antenne lui sera accordée, il pourra vous décrire la situation sur place et vous accompagner au courant de cette partie de la cérémonie-là qui va se terminer avec la photo souvenir du ministre avec le haut commandement militaire. Ma mission TV, le miroir du monde.